abonnez, subscribe dans la chaîne YouTube Mitan Kafoua. La bon pour vous. Ben, salut tout le monde. Non, pas moi, c'est Marc Lubin. Abdo, bienvenue dans Mitan Kafoua. Mitan Kafoua, c'est podium tout haïtien ordinaire qui a fait un travail extraordinaire. Et je dis à nous aller en France. De Paris étant 12 km d'apprentrer dans Chaville. Nous parlons rencontrer un haïtien ordinaire qui a fait un travail extraordinaire depuis 12 ans. Et il travaille côté que lui aide pays, lui valorise tête et lui valorise nation. Je dis à nous allons recevoir madame Anne-Louise Mesadieu, qui est dans Chaville, qui est à 12 km de Paris, nous en France. Madame Mesadieu, c'est maire adjointe, troisième mandat, compliment, nous comptons recevoir aujourd'hui sur le podium Mitan Kafoua. Comment est-ce? Merci, bonsoir Mag, bonsoir à tous les spectateurs de Mitan Kafoua. Bon, je vais vous dire tout le honnête, oui. Je vais vous dire que je vais vous dire. Mais c'est un plaisir pour moi pour me laver avec vous sur plateau à distance, mais c'est vraiment un réel plaisir que pour me partager cette expérience, cette parcours pam avec l'autre compatriote qui a écouté à travers des émissions non et puis qui a écouté tout en Haïti et puis en France, c'est un réel plaisir pour moi pour me laver, je dis. Eh bien, on a commencé pour nous dire que nous valoriser au Namita Kafoua. Question que nous avons posée, qui est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait en France? Est-ce qu'on fait en Haïti? Prenons un petit détail de en France. Alors, moi-même, moi, c'est une, comment dirais-je, une petite dame qui fait en Haïti. Moi, fait l'hôpital Chancerelle. Et nous connaissons Gampil Haïtien qui fait l'hôpital Chancerelle en Haïti. D'ailleurs, mon paquet et l'hôpital Lab traverse un paquet de difficultés. Donc, moi grandi, moi fait quelques premières années mieux, moi fait Nazon. Moi était l'école non l'école qui les cours privés aurait l'examen qui sous route Crissois. Bon laisse un petit moment, nous commençons l'école là, j'ai 4 ans. Et puis quitté, maman était déjà partie, maman était déjà en France, donc c'est une histoire, comment dire, c'est une histoire familiale. Comme on est dans mitan kafoua, mais qu'on toute histoire comment bah il fait tout petit détail. Pour m'arriver côté Mia, et il faut dire oui, donc j'ai rejoint ma mère parce que t'es bon, entre guillemets, ils ont un petit problème d'accord entre et papa, maman, et puis finalement, et c'était un mari de maman qui était déjà en France, et puis comme t'es bon, tu as fait de classe, mais soit regarder ou analyser bien, c'est même pas moi qui fait de classe vraiment qui fait. T'es bon, tu sais pas, il était mal parlé du côté de famille, papa, qui fait famille, maman, tu es déjà vexé parce que. Grand-papa et beaucoup de maman t'es guéant seul qui était déjà en France, qui était marié de maman, qui fait maman vini et puis de fait que maman vini et puis après ça, moi j'ai rejoint maman qui est quelques décennies de ça. Elle n'a pas les 30 combien années de ça. C'est que ah bon? Qui sauve des Coréens de Haïti? Oh, bon, je vais vous donner un souvenir parce que vous connaissez tout le bagage qui a commencé dans l'enfance. Moi, je songeais que la relation de gain avec grands-parents qui était pour moi et qui est toujours un symbole. Et comment dirais-je, un symbole d'humanisme, de bonté, de philosophe. Et ça, j'aime toujours dire, moi, je suis moi, passionnée de philosophie. Et j'aime toujours dire, puis, grand philosophe, moi, c'était grand-papa. Et pourtant, grand-papa, c'est pas tout le monde qui était qu'on lit, c'est pas tout le monde qui était qu'on écrit, mais c'est le monde qui était apprendre, qui était fait autodidacte et qui toujours parle en pensée, qui toujours apporte des conseils sages. Et puis, depuis deux petits mondes qui fait ça, toujours rester dans la tête. Moi, je me songeais, les petits mondes à 4 ans, à l'école, pour préparer l'examen, quand il y a une boîte à l'inchou, et puis, ou toujours, on nous connaît. Le fait que maman à l'étranger, ça fait un petit privilège, avec tout le chauffeur qui mène à l'école, ou une boîte à l'inchou qui fait, ou lorsqu'on s'est uniforme. J'aime toujours bien, tout souvenir d'enfance, moi, j'ai été intact, j'ai toujours été petit, les vacances, je parle avec grand-mère, je parle avec grand-papa, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et puis, comment dirais-je, moi, c'est un monde qui, moi, fait de vim, qui est trois axes, l'aime finir grandir, moi, que philosophie, c'est moi qui parle, qui vraiment, moi, qui forme. Et puis, toujours à dire, c'est que je me suis fait mienne les trois phrases de Kant, donc, qu'est-ce que les lumières, c'est qui suis-je,
ou vej, et que m'est-il permis d'espérer qui suis-je? Donc, moi, c'est haïtienne, ça, qui fait l'hôpital Chancerelle, côté parents, pas te marier, mais moi, je parti en France parce que vous, histoire. Et, c'est histoire, moi, pas dit de classe, je m'arrive une fois, moi, dit classe, une question de classe, d'incompréhension. Et puis, ou vej, papa m'a toujours dit, m'a pas dit rien, c'est, et, fait de, ou la, le, comment dirais-je? Mais relationner même avec maman me fait tourner en force pour moi, ça veut dire que tout deux petits mondes, papa me dit, maman, l'on rien, ce maman, c'est toujours apprendre l'école et puis, soit une femme indépendante. Papa me toujours dit ça, soit une femme indépendante de telle sorte que tu n'aies rien à devoir à un homme. C'est que mon grand dit avec ça, que tu as toujours dit notre point, c'est que c'est où que fait tête tout, c'est où que fait tête tout, peu importe, en tout cas, soutien nos familles pauvres, et puis, il y a l'opportunité présentée, il y a le choix fait dans la vie, et puis, on va dire, monde, entre guillemets, qui bénit, parce que je me dis, ça aurait les familles, hein, ça aurait les grandes, ça aurait les Le mamans, support. papa, et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça que je dis, ouvert, et c'est grâce à eux qui fait me connaître, et côté me voulait aller, et puis, ce qui ça m'a espéré. Donc, relation toujours gain. Voilà, comment dire, j'ai toujours une relation et fluide avec Haïti, même si dans un. Lorsqu'on commence dans l'adolescence, on vient, comment dire, une sensation de rejet, parce que c'est l'envie en France que nous connaissons Haïti, son pays pauvre, c'est l'envie en France que nous connaissons les. Et Haïti, voilà, pays misère, par exemple, l'autre, si on voit l'école où je ne mange aucun uniforme, par contre, tout bas, ça. Et plus on grandit, plus on vient rendre compte moins que pays a grand pile problème. Donc, dans un premier temps, on fait une espèce de rejet quelque part pour protéger, pour essayer d'intégrer. Et puis, plus on grandit, plus que les autres vous envoient une image de vous. Là, c'est de bagage. Soit décider, faire semblant que vous appelez originaux, Pourquoi c'est non? toi décider. Yeah, et soit décider de faire origine ou force. Et puis moi-même, j'ai fait de mon histoire, de l'histoire d'Haïti, une force pour me booster, pour être, pour parler de l'histoire. Parce que Haïti, nous sommes grand peuple. C'est, malheureusement, nous ne comprenons pas l'importance symbole, acte que nous fait en 1804. Là, elle me dit malheureusement, pas tout le monde, bien sûr, il ne faut pas généraliser. Mais qui fait que nous avons force à nous. Donc, à partir de 18, 19 ans, quand je viens à réapproprier l'histoire d'Haïti, je viens à redécouvrir l'histoire pays, l'histoire origine, qui ça nous a fait, parce que si on doit connaître ça. Et puis, si on pas de famille, si on pas de maman, par rapport qui ont un niveau suffisamment pour l'apprendre, parce Pour que donc, apprendre là, à nous, c'est c'est pas vrai, pour hein? l'histoire. Donc, Mais c'est là, que, c'est la connaissance. je me souviens que nous avons parlé de Gontier anecdote historique que tu as raconté nous de Haïti. Et c'est qui ça le dit encore? Bon, C'est un je monsieur, c'est un haïtien, ok, que en pile monde pas même comme Oh, il y a, histoire. exactement. Donc, les m'a fait intervention dans des écoles, dans l'ancienne école, les bails. C'est comme toujours, Abdi les web, oui, Haïti, c'est le pays le plus pauvre. Je me dis, oui, Haïti, notre tête, nous sommes Haïti, c'est le pays le plus pauvre. Mais quand le bagage, du point de vue historique, nous pas connaît, et le bagage que nous approprions, nous, en tant que Français, sans que nous va dire, c'est une relation conjointe, c'est une histoire commune. Par exemple, le formatement des Timonio me dit, qui a lu Les Trois Mousquetaires ici? Moi. Dit, qui peut me dire qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Tout le monde. Oh, c'est simple, facile, Alexandre Dumas. Et puis, là, donc, Laura pose des questions à eux. Et puis, me dit, est-ce que nous, on est Alexandre Dumas, c'est l'originaire d'Haïti, parce que papa, et puis, Soti Jérémy, bah, ça, tout le monde parle une histoire, ça. C'est pour ça que l'important pour qu'on ait, c'est ça qui, bon, il y a une force pour qu'à défendre nous, parce que nous, on est une histoire pas nécessairement facile. Nous gagnons d'autres hommes aussi au niveau de la France que malheureusement, même haïtiens, pas qu'on est, qui ont marqué l'histoire. Dame Tony Blancourt, qui était un haïtien, qui sortit Bénin, qui venait étudier en France, et puis du temps des camps de concentration, il a fait la résistance. Il est mort pour la France, fusillé, il avait 19 ans, il est mort un mois de mars. Et bon côté, qui était le Mont Valérien, côté où ouais, est tout héros qui mourit pour la France, pour favoriser, bah, pour dire non aux nazis, pour dire non à l'Holocauste, et où joignent et l'histoire de Tony Blancourt. Et c'est vrai, par exemple, tout le monde qui connaît, c'est le. Sous pas qu'on est, on va pas défendre tout. Non, c'est que Abonnez, subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pour tout. Non, c'est que bien content parce que ça fait comme des vrais qu'on dit ça parce que qu'on y a gain internet gain Google moun ka mette non Tout à ça fait.
et puis qu'on y a capable de vérifier, ok, exactement. Et quand qui grand haïtien que nous gagnons, des haïtiens qui fait des bagailles extraordinaires, et ce sont des mondes ordinaires qui même j'avais, ok, tout à fait, qu'on y a rentré, parce que gagnons pas tico bail là, c'est que arrivé gay au manque d'éducation, au manque d'information, que gagne pile bagaille que français a pas connaît, ou bien nous même oui. Toi ici gagne pile bagaille que ne pas connaît de histoire nous. C'est que meilleure façon pour nous représenter tête nous dans un pays étranger, c'est qui Jean qu'on pensait que nous t'as supposé faire. Au commencer déjà, monsieur que gagne ou gagne l'autre point pour t'arriver à ajouter, ok, que pour nous capable valoriser tête nous. Oui, bon, c'est il y a plusieurs bagages. C'est que moi-même moi quoi non connaissance, moi quoi non savoir. On moun nou gen doit pas gen doctorat. On moun gen doit gon doctorat par exemple et pour moun n'a pas à même comme si pour le défendre ni moun n'a pas forcément bon travail de questionnement que moun n'a pas nécessairement fait. Vous avez pour même jour n'a pas mais Ferdinand Milien d'ailleurs moi les petites moi Ferdinand dans le sens que c'est que pour moi son symbole c'est quand papa me quitte un grand philosophe qui va étudier hein qui était un illettré et et qui m'a laissé des valeurs et des valeurs fondamentales et universelles je dirais donc a fait comment dire soif de savoir là comme on dit n'a pas vivre longtemps côté avec internet ou gagne droit contre toute bagarre ou nécessairement besoin de gagner comment dire un master un doctorat pour connaître bagarre pour connaître histoire au monde doit former tête pour compte ou c'est juste la curiosité et puis dire OK il y a telle bagarre et qui ça a telle bagarre. Mais par exemple, elle m'a parlé de l'apport d'Haïti par rapport justement au camp de concentration quand le gouvernement haïtien a pris ce décret qui a permis, qui a fait qu'Haïti a été une terre d'accueil pour les Juifs. Par exemple, il y a Haïtien qu'on aime. Et leur a parlé de Barressa, il y a D'Alembert qui ont livre Avant que les ombres s'effacent, de Philippe D'Alembert, pour qu'ils aient livre ça a un écho et en France énorme, qui prend un paquet de prix, c'est parce que c'est l'histoire juive. Parce que grand-père, le monde qui pas de penser que Haïti, comme dire, c'est un pays noir, un pays indigène, un pays pauvre, qui était capable de prendre grande décision, ça, à dire, voilà, favoriser, permettre à Juifio aller en Haïti, à le cacher en Haïti par rapport aux Allemands. C'est une des raisons, d'ailleurs, qui fait que le pape Jean-Paul II a été en Haïti, hein, je crois que c'était en 1989, Maroune date là exactement, parce qu'il est là, à Haïti, là, et Casal, l'orive et Casal, morphologie, mounio, ouais, mounio, gémon qui noir, gémon qui clair de peau, gémon qui yeux verts, yeux bleus, mounio, pas jamais quitté Haïti, il y a dansé la polka, polka, c'est une danse et polonaise. C'est toute bagarre, ça, qui fait que l'histoire nous riche et que nous pas connaît. Et puis, donc, l'air, comment dirais-je, il y a méprise parce que nous connaissons Haïti, on était toujours minimisé, nous, 4H et j'en passe. Lorsqu'on histoire ça, on leur a parlé avec Mounio, donc Mounio vit une curiosité là, car il une curiosité. Ah oui, Haïti a quand même fait des grandes choses, donc, et, parce que il n'y a pas simple, comme si, qu'on voulait l'ou, qu'on pas voulait l'ou, pas vraiment la caille, pas vraiment la caille, donc, tu te dois de t'adapter sans t'oublier, sans oublier ce qui fait ce que tu es, quoi. Donc, ça fait, moi, je toujours dis, pas un problème, entre guillemets, parce que, et moi, adapté, moi, grandi en France, et moi, suivre avec Française, là, en même temps, moi, connais, me sont haïtienne, et puis, moi, je toujours dis, même les mouns ABC, ils prennent pause, oui, je suis une ceci, une cela. L'autre vous l'envoie la figure, l'autre vous parle, moi, en toute franchise, on a rencontré pas mal de ministres, anciens présidents français. Je connais mes élus françaises. Je fais mon conseiller régional également. J'ai fait des élections au conseil au niveau régional, maintenant élection pour Sénat. Mais les moins quand on chef d'État ou bien les moins quand on ministre, les moins quand on député sénateur. Bah nous aussi, question toujours posée, c'est comment va ton pays? Les gens disent comment va ton pays? Il y a moins de la France et pourtant que fait plus temps en France, donc il y a plus que 30 minutes en France, donc ça veut dire que on ne peut pas oublier d'où l'on vient et ça c'est un tort, ça que j'aime toujours à me dire et moi toujours à me dire comme ça, même si c'est moins ça, c'est que vous faites en France, il y a bien sûr l'histoire française, mais il y a aussi il y a ton identité, ce qui fait ce que tu es. Et on voit là où ouais, monsieur m'a blanche m'a gains yeux bleus automatiquement yo ouais que même si d'a fait en France assumé que ou pas française ou, comme si c'est pas comme si on pas considéré comme étant française mais yo toujours ouais en haut
c'est qu'on vient de l'autre côté, parce que nos têtes, même, bon, ça, c'est un problème aussi, et je dirais, typiquement français, alors qu'aux États-Unis, ou américains. Et vous sortez Haïti, vous sortez Kenya, vous sortez Kinshasa. En France, vous faites en France, par exemple, mon fils est né en France, automatiquement, on lui demande d'où il vient. Donc, mon fils, il dit qu'il est haïtien. Et pourtant, il fait en France, voilà, donc il est à l'école en France, bref. Donc c'est ça. Mais c'est son bail qui est très important pour qu'on côte au souci et pour assumer. C'est ça qui pour moi, hein, ça c'est histoire pas, il n'est pas nécessairement histoire de tout le monde, il ne voit pas histoire fort. Même quoi dans ça, parce que dans le monde, dans l'air, on a vu là, et son air, une espèce de déchirure. Donc, ce n'est pas trouvé ni auprès de ça, ni auprès de ça, un mal-être énorme. Et c'est en cela que... Question que Balbozo, pendant qu'on a dit ça, ma réflexion l'autre bagage. C'est le troisième mandat comme maire adjointe dans Chaville. Chaville qui a 12 km de Paris. Communauté ça, est-ce que grande majorité haïtienne? Est-ce que son communauté blanche? Et comment ça fait? Et expliquez-moi. Et qui ça mène en haut? À la politique et que Kounia pour ce troisième mandat. Comment ça fait? C'est, comment dire, Chaville pas une communauté, par exemple, il y a ici un bac à, si il y a 20, peut-être 30 familles métisses haïtiennes ces derniers temps. Donc, je l'aime fait arriver dans l'école moi, quand j'étais, c'était, nous étions deux noirs dans l'école là, dans toute l'école là, c'était deux noirs. Et une petite dame qui était papa, la famille c'était diplomate, donc qui était là. Et puis, on me songeait, comme si l'arrivée, comme si tu m'y aurais mode, comme si ça me gardait, je fais ça. C'est comme si dans tête, yo, comme si pour, ouais, ça allait pour, ouais, comme si couleur, pas, genre, effacé. Donc, c'est qu'il y a avec le recul, m'a pris de ça. Et puis, au fur et à mesure, mon qui est très croyant, donc, j'ai l'aimé qu'on a l'église et, pas bien loin dans l'église là, peut-être monter deux, trois, dans l'église là, c'est bien ça, ou tout qui était, comment, fait que mon petit gens dévié de l'église. Parce que il y a cet aspect. Et puis, au fur et à mesure, après, ça allait mal au collège, j'ai rencontré deux, trois l'autre noirs. Et puis, j'ai rencontré tout une famille haïtienne, mais pas de peuple haïtien. Et là, bon, on dit, pas de peuple haïtien sur sa vie. Même si, ouais, que population commençait à mélanger, ce qui n'était pas le cas il y a 20, 30 ans. Et ça, c'est à l'image de la France, parce que dans le côté pas de Guénois, beaucoup de c'est que, et, ou même, alors, moi, Fatimoun, qui fait une grande communauté, mais pas vraiment, si c'était pour votre haïtien, sous Chaville, abonnez, subscribe, dans la chaîne YouTube, Mitan Kafoua. La bonne pour vous. Oui, mais, c'est que ce côté comme besoin aller, qui ça qui qualifie? Qui s'est qualifié? Ou sous troisième mandat. C'est quelque chose pour nous, son bagage pour nous valoriser. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut expliquer? Comment alors, il peut choisir? Parcours, entre guillemets, mon parcours atypique, mes philosophies, et puis l'aime finir baccalauréat, bon, j'étais droit en philosophie. Vraiment, pas de compte qui ça pour m'être fait, qui filière pour m'être choisi, et bon, moi, t'sais, pas de forme qui pouvait dire, fais ça. Et puis, au final, je me dis, bon, on va aller en droit, parce que, en général, l'on va commencer à prouver, on va atterrir en droit. Oui, je fais en droit, première année, m'échouer, parce que, c'était pas voile. Et puis après, vraiment ça me dit, non, bah, hein? C'était pas intéressé. Puis après, deuxième année, me dit, ma BC, mon diplôme quand même. Et puis, ouais, sur le long terme. Et puis, de là, je viens rencontrer des hommes politiques. D'hommes politiques, voilà, me fait droit. Puis, me rencontrer l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Et puis, j'étais une présidente du conseil départemental, bon, qui était un homme puissant aussi. De là, nous commençons à échanger, parce que Pasqua, son nom qui était bon. Il t'a mis en action, soit Haïti, il t'a mis l'électricité à Aquin, au vieux bourg d'Aquin, et puis il t'a fait l'hôpital et tout. Et puis de là, et puis, bon, comme moi je dis, c'est que moi, mon parcours atypique, et puis, qui j'aime faire rencontrer parce que c'est que en 98, on a participé à nos élections de Miss Haïti de France. On va dire vraiment hasard,
hasard qu'il y a une rencontre que me fait et dans le Connecticut avec Bitova Oba, c'est Ning Michel qui tape, Bitova qui tape chanter et me raconte Bitova et puis les hommes et Bitova me dit waouh. Et puis quand il y a dit oui, c'est musique haïtienne parce que pas vraiment il y a toute connaissance ça yo. Et puis quand il y a Bitova dit bon, la va Paris en mars, ça une élection, ça me pas participer, me dit Bitova me pas connait aucun monde dans communauté haïtienne, même pas fréquenter communauté haïtienne de Paris. Et puis, mais je serais ravie d'aller au concert. Et puis, ils disent, bon, quand ils allaient me rentrer dans le concert de Connecticut, moi, les gens qui t'ont organisé, ils disent non, parce que qui t'ont sélectionné tout chez eux. Et puis après, la personne m'a dit, bon, à votre voix, vous parlez bien. Donc, c'est ce qui m'avait, entre guillemets. Quand ils a malé, les malés, bon, ils disent, bah, je peux participer parce que j'ai un profil en physique qui. Mais à l'époque, il faut moins dire que je ne pas très tellement yes, yes, yes. Parce que à force, je ne peux pas vraiment parler que la calade, c'est les plus bas non milieu. Mais bah, ici, un petit fait. De fil en aiguille, je suis participer à une élection par hasard. Je joue l'élection, ça mal avec. Maman, deux ans, je me quitter dans l'université avec, je suis pas haïtien. Parce que je me dis, je ne vais pas aller pour là, pour s'y m'aider. Et puis au final, voilà comment je me suis retrouvée à ce concours, à avoir gagné. Et puis de là, ce qui fait que j'ai gagné, c'est que c'est le verbe, parce que je me suis dit, mais donc pas qu'il y a quelqu'un qui a prié, oui, oui, oui. Et même, c'est l'aime pour un micro, c'était le message que j'ai délivré, il aime parler. Et là, on ne pouvait pas, il n'y avait pas photo, entre guillemets, on ne pouvait pas. Qui ça qui est dans le message là? Qui ça qui est dans le message là? En résumé, c'est un texte Montelli, c'est Primo Levi. Primo Levi qui écrit « Si c'est un homme ». C'est toujours un barrage sur le camp de concentration. Et je m'étais inspirée du texte de Primo Levi, « Si c'est un homme ». En italien, c'est « Questo è un uomo che non fa ». Si c'est un homme, est-ce que vous considérez que ça soit un homme, celui qui ne mange pas à sa faim, celui qui n'a pas un lit pour se recueillir, celui qui se fait… Et je faisais le parallèle avec Haïti, en disant, est-ce que nous considérons ça comme étant être vivant à part entière, un monde qui suppose marcher toute journée avec un panier sous tête pour la chercher la vie dehors pour le bail petit lit, un morceau de pain des fois avec juste son tasse café, un bien sucre. Et on me fait parallèle là avec texte pour les viands et puis la situation en Haïti. Et puis voilà, mais qui j'en m'atterris dans le milieu haïtien, non, à dire. Abonné. Subscribe dans channel YouTube Mitan Kafoua. La bon pou.